Nature de courant électrique. 2.1. Nature de courant dans les conducteurs métalliques. Dans un conducteur métallique, les électrons sont libres. Et je constate ici qu'on a un générateur et un fil conducteur. Et on constate que les électrons, ils circulent de la borne négative du générateur vers la borne positive et le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Donc le sens conventionnel du courant électrique. Le courant électrique à l'extérieur d'un générateur circule du pôle positif vers le pôle négatif. 2.2, nature de courant dans les électrolytes. On va prendre un mélange électrolytique constitué par le sulfate de cuivre Cu2+, SO4-, et le K+, MnO4-. Et comme vous le voyez, que les ions Cu2+ possèdent une coloration bleue, tandis que les ions MnO4- possèdent une coloration violette. Donc, pour le générateur, donc j'aurai la cathode, c'est la borne négative, et l'anode, c'est la borne positive. Donc, on va prendre ici un générateur et une solution électrolytique, et j'aurai ici un interrupteur et une lampe. Donc, au moment où on ferme le circuit, c'est-à-dire on clique ici, comme vous le voyez sur le schéma, on constate que la lampe s'allume, et ensuite, vous constatez qu'il y a migration des ions. C'est-à-dire les ions MnO4- qui possèdent une coloration violette, ils se dirigent vers le pôle positif du générateur. Et les ions Cu2+, ils se déplacent vers la borne négative du générateur. Donc, remarque, les cations, c'est-à-dire les ions Cu2+, se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique, tandis que les anions, les MnO4-, se déplacent en sens contraire.